AVO Énergie a été créé en 2014 avec pour objectif de transformer la biomasse en énergie et de proposer cette énergie à des sites industriels, des hôtels. La biomasse, déjà, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est tous les déchets végétaux, animaux, produits donc par la nature ou par l'industrie, ou même par les ménages, que l'on peut transformer en énergie. Donc ça, c'est la biomasse énergie. Donc on a du grignon d'olive, du noyau d'olive, de la coque d'argan, du foin, de la paille. On peut avoir du bois, une chaise usagée. C'est de la biomasse, du papier, du carton, des ordures ménagères, des pelures de fruits, de légumes, etc. Lorsque nous avons débuté l'activité en 2014, le contexte était assez peu favorable à la biomasse, puisque même si cette biomasse existait, il y avait très peu d'expertise, très peu de sociétés, très peu de connaissances du grand public sur ce qu'était la biomasse, ce qu'on pouvait en faire. Donc on a commencé sur un terrain assez vierge, et très rapidement, on a signé les premiers contrats à Marrakech, dans l'hôtellerie, avec l'installation d'une première chaudière, et dans la foulée, un deuxième contrat industriel à Casablanca, enfin à Tite-Mélil pour être plus précis, dans une unité du groupe Zala Holding, Alpha Maghrib, qui est située à Tite-Mélil. Ces contrats nous ont permis de lancer vraiment l'activité, et ensuite aujourd'hui on a une quinzaine de contrats au Maroc, donc à Fès, Meknès, Casablanca, Bouskoura, Marrakech, enfin un certain nombre de contrats intéressants. Au Maroc, nous souhaitons continuer notre développement dans les régions de Casablanca, principalement Agadir, Tanger, où nous ne sommes pas encore présents, Fès, Meknès et aussi à Marrakech. Il y a encore une grande quantité de biomasse qui n'est pas exploitée au Maroc et nous souhaitons vraiment raffermir notre offre, développer nos contrats avec une prévision de 2 ou 3 mises en service par an dans les prochaines années. Par ailleurs, nous commençons, à côté de ça, à prendre des contacts en Afrique subsaharienne principalement pour développer l'activité dans ces régions-là. L'écologie, l'environnement, c'est un sujet dont on entend parler tous les jours et les entreprises de plus en plus cherchent à s'inscrire dans cette démarche. Pas toutes les entreprises, mais un certain nombre d'entreprises là où on sent vraiment un leadership, des dirigeants ambitieux, on trouvera toujours cette question. Nous, on nous posera toujours la question, est-ce que c'est environnemental? Que fait la biomasse par rapport aux énergies fossiles, etc. Et on remarque qu'il y a vraiment un changement de mentalité dans les entreprises, parfois anecdotiques, donc ce sont des petites mesures. Parfois, en revanche, et c'est le cas d'un de nos clients, donc le groupe Zalar, où ils se sont dit on va y aller vraiment à fond et aujourd'hui donc ils équipent leurs industries, leurs usines par des chaufferies biomasse qui a un impact vraiment remarquable sur les émissions de CO2 notamment.